Bon, ça, il faudra le couper, bien sûr, mais... Présentez-vous. Présentez-vous. Salut la Team Terre, je suis l'adjudant-chef Bruno, je suis le responsable du bureau de recrutement sur Auxerre pour l'armée de terre, pour le département de Lyon. Et aujourd'hui, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Alors, avant d'être dans l'armée de terre, j'étais étudiant en électrotechnique. Parce que le candidat, il a une représentation de ce qu'est notre métier. Et nous, on est là pour lui donner la réalité de notre métier. On lui parlera du parcours du recrutement et on fait un accompagnement personnalisé. À chaque étape du recrutement, on sera là avec lui pour l'accompagner, pour pas qu'il se sente seul et perdu. Ils auront le test du luc léger, ils auront le test des tractions pour les hommes, tirage de poulies pour les filles et bien sûr les squats pour les garçons et les filles. Nous ne recrutons pas des champions du monde. On cherche des gens qui aiment le sport et qui souhaitent se dépasser. Alors, les tests psychotechniques vont nous permettre de savoir quel est le profil du jeune par rapport à la catégorie qui veut postuler dans le métier de soldat. Si c'est quelqu'un de stressé, si c'est quelqu'un d'organisé, s'il a confiance en lui et surtout s'il va adhérer à notre mode de vie. Nous avons 75% de réduction sur tout le réseau SNCF, nous avons notre propre sécurité sociale, nous avons 9 semaines de permission, ben ce sont nos vacances, donc on a aussi du temps pour nous et le moyen de profiter de ce temps. La question la plus troublante, enfin bizarre, oui et non, c'est est-ce que j'ai déjà tué quelqu'un? Alors je réponds à cela, pourquoi ne pas poser la question combien de personnes j'ai pu sauver? Trois astuces pour réussir son premier entretien. La première, oser, pousser la porte. Ne pas douter de ses capacités et surtout, croire en soi. C'est primordial. N'hésitez pas, poussez la porte, osez, on sera là pour vous accueillir. Salut la Team Terre et en avant soldats!